Là. Donc on va démarrer tout de suite avec un jeu du passage du désir. Ça va. Donc Thibaut, première question, est-ce que t'as déjà appelé ta nana par le prénom d'une de tes ex? Pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. C'est vrai, c'est comme vrai si c'était pas normal, genre. Bravo. Parce qu'elle connaît ça, ça toutes les ex, elle a un catalogue. Non, c'est qu'en fait, j'ai pas d'ex. Non, ouais, ouais. Oh merde. Oh putain, pardon. Bien dit. Bien dit. Bon, bah, écoute, bah félicitations. Non, alors. Non, mais c'est une blague. D'accord. Alors, non, Sabrina, on connaît pas. Roman, oui. Toi qui es un petit peu... gauche. Gauche. Voilà. T'es un homme pendant une journée. Oui. Qu'est-ce que tu fais en premier? Elle se coince le bout de la bite dans la braguette. Si, elle est, si elle est gauche. J'irai draguer des filles. Oh, j'ai tout dit. Ouais. J'irai draguer des filles dans la rue. Oh sans là scrupule. Là. Genre, là, tu seras un guetard. Mademoiselle. Voilà. Je siffle derrière elle. Un non, chaud franchement, lapin. J'irai draguer plein de meufs en boîte. Je m'en fous. Pour voir comment ça fait de se faire tel. Non, mais quand on est un mec, j'ai un truc. Tu seras un vrai connard, quoi. Un vrai connard. Alors, vu que tu es un petit peu révolutionnaire comme femme, on va te demander quel est le tue-l'amour pour toi. Ouf. Ouf. Non, tout de suite tu réponds, parce que ça, là ça met un blanc, ça me tue mon émission. Enfermé dans une baraque. Bah, de péter pendant l'acte. Ah, ouais. J'avoue, là tu t'as fait une grosse barre de rire en vrai. Mais ça veut dire que c'est du vécu. Non, mais gars, ça vous est déjà arrivé ou pas? Là, c'est du vécu à Athénaïs. Non, moi ça m'est jamais arrivé. Ah, bah jamais non, mais j'imagine ça va pas être très glamour. De d'avoir des flatulences. Bon, après, j'imagine qu'on peut en parler. Non, mais surtout que les filles essaient de faire des bruits un peu sexy et tout. Si le mec te lâche un vent, c'est pas. Grosse caisse, tu peux le dire. Non, mais souvent, si ça arrive pendant l'acte, normalement le mec fait genre, il s'est rien passé. Genre, tu sais, il fait genre. Tu sais, il change de position. Donc, dans ce quiz, vous allez devoir deviner selon les titres les chansons ou qui servent à faire l'amour mieux que faire l'amour ou les chansons pour pécho. Ah, alors on va vous passer des titres. D'accord. Donc, okay. C'est parti avec un titre de Bruno Mars, Just the Way You Are. Ah oh pécho. Ah bah non, bah alors là, non, c'est quand t'éjacules, frérot, là. Ah là, on a le traducteur officiel, donc ça, ce n'est pas un sirop oui, à boire, c'est l'huile de massage, hein, merci. Je croyais que c'était le truc pour la laine, moi. Ceci dit, c'est comestible, je veux pas foutre la merde, mais tu peux boire. Alors, donc, when I see your face. Alors, pécho? Pécho. Ouais. Il est sûr de lui. Ouais. Je valide cette réponse, ça vrai. D'accord, et non, ben j'appelle bon. Pas d'amis. Faire l'amour. On appelle un ami ou pas, non? Faire l'amour. Faire l'amour. On va faire tic-tic, les gars. Eh ben non, c'est catalogué comme étant chanson mieux que faire l'amour. Je sais pas. Ah, c'est un orgasme. Non, mais regarde ça, c'est pas. Alors, à quel moment? Mais c'est la magie. Athénaïs. Hein, quoi? Ils ont fini? Mais t'as envie de parler de cul, là, je sens. Ouais, non, pas du tout. Tu débordes de. De phéromones. Tu sens le. Bon. Non, mais du coup, j'ai écrit mes petites vérités là tout à l'heure pour la musique. C'est en direct avec donc, elle a choisi qui elle voulait draguer. Je suis terriblement déçue de voir que Martial a une femme. Je me disais que, étant donné que Chloé n'est pas la seule à avoir sa petite culotte en feu dans cette émission où le thermostat nous refile des vapeurs, je baisse ma gaine en vous dévoilant la sensualité des courbes de mes vergetures. Et j'ai envie de dire, aimons-nous vivants, parole d'Oliver. Tu vois ce que je veux dire, Sabrina? Me voilà la mort nous trouve du talent. Me voilà. Je vais vite crever. Me voilà en face de Martial, mais comme j'aime remuer mon derrière sur ma chaise à roulettes, je tends mon coup de fouet et dirige mon regard vers Mathias. J'aime la chair fraîche et Justin Bieber, ça tombe bien. Vous vous souvenez de ce que nous avions dit un peu plus tôt sur les taureaux, les meilleurs aimants du signe du zodiaque? Je rajouterai de l'univers. Et ça tombe bien, je suis bonne cavalière. Alors, tous en selle, prépare-toi mon chaton, je vais te croquer l'oignon. Oh! Santé, beauté, sport et sexo, à votre santé, avec Sabrina Perkis, en direct sur Radio VL.